Bonjour. Alors, j'ai plus l'habitude. Bonjour pour cette vidéo. Alors, un peu improvisée parce que, comme vous le savez, donc c'est pour ça que je change de décor, c'est temporaire. Oui, même en vacances, il y a quand même un sujet qui m'a triturée. Je me suis dit qu'il fallait que j'en parle au moins rapidement. Et en fait, bon, vous l'avez vu au titre, on va parler de l'ICP Token, donc le fameux projet de DFINITY, l'Internet Computer Token. Alors, pourquoi j'ai voulu en parler? Parce que, bon, je sais qu'en général, et parce que c'est facile, je veux dire, d'être très rentable dans les crypto-monnaies. Alors, je ne veux pas paraître trop naïve ou trop optimiste en vous disant ça, mais c'est vrai que c'est plutôt facile d'être gagnant avec les crypto-monnaies, surtout si on est long-termiste et puis si on investit dans les bons projets. Et bien justement, là je vais vous parler pour une fois d'une crypto qui m'a fait beaucoup perdre, qui a fait saigner mon portefeuille, et je vous raconterai pas ça comme ça si j'avais investi dans un token bidon, si j'avais investi dans Pizza Token ou Barbecue Token ou un truc de ce genre là, une Shiba Inu, quelque chose comme ça. Là je vous parle d'un investissement qui est hyper sérieux et qui était quasiment le plus attendu jusqu'à maintenant, je pense, en 2021. C'était le projet le plus attendu, celui qui avait le plus de promesses. Et donc, et quand je vous dis ça, quand je vous dis j'ai investi, vous savez, moi j'investis beaucoup. Enfin, je vais mettre plus si je sais qu'il y a des gros backups derrière. Et là, dans ce projet-là, quand je vous dis les plus grands investisseurs ont investi, c'est les plus grands investisseurs. Et même dans les médias, vous savez, en général, quand on parle des nouvelles cryptos ou des tokens, c'est les médias un peu spécialisés, comme ce qu'on a en France, bon, Zone Bitcoin pour parler du mien, mais tous les autres, Journal du Coin, etc. Là, c'était pour une fois, c'était une crypto aussi qui avait été relayée sur les plus gros médias traditionnels, pas seulement de la finance, mais bon, principalement Bloomberg, Forbes, Business Insider, enfin pas mal de grands journaux qui en avaient parlé pour vous donner un peu, quand je vous dis ça, c'est pour vous donner un peu l'ampleur de la chose. C'était hyper attendu. Alors, bon, il faut quand même que je structure cette vidéo. C'est-à-dire que là, ce qu'on va voir dans cette vidéo et pourquoi j'ai voulu la faire quand même absolument, c'est qu'on va voir la chute d'un géant programmé et en fait on va se demander, c'est pas pour rien si j'ai choisi de faire cette vidéo, c'est qu'on va quand même se demander si ça vaut encore le coup. Est-ce que, par exemple dans mon cas, moi j'ai pas revendu mes cryptos, même si je suis à perte à fond. Et maintenant on peut commencer avec le premier chapitre, c'est quoi ICP Token? Alors ICP, c'est le nom du token, hein. C'est le sigle de Internet Computing Token, donc, et ça a été lancé par la fondation DFINITY. Alors ils ont des bases, enfin disons que l'association elle est basée comme souvent en Suisse, à Zug pour être précis, et puis elle est aussi à la Silicon Valley, là où ça a commencé à se fomenter. Alors la particularité du projet, tout simplement pour vous le dire d'emblée, c'est son ambition quasiment démesurée. Vous savez, on a l'habitude dans les crypto-monnaies de voir justement des personnes ou des fondateurs qui disent « Ah, ça va révolutionner tel secteur ». On va tout simplement en fait prendre un service qui existe déjà dans la finance traditionnelle ou dans le monde traditionnel et puis on va le mettre en version décentralisée. Souvent, les services qu'on a, les tokens qu'on a, les dApps qu'on a, enfin souvent c'est ça. Là, pour DFINITY, leur projet, c'était carrément de créer, si vous voulez, une infrastructure de cloud computing qui pourrait héberger les applications qu'on connaît déjà dans la finance traditionnelle mais qui aurait là encore une version décentralisée. Typiquement, on pourrait trouver donc LinkedIn, Facebook, enfin tous les services qu'on utilise là tous les jours, qui font un carton plein, qu'on aurait donc grâce à DFINITY, grâce à l'ICP, en version décentralisée. Donc c'est assez fou, c'est très ambitieux comme vous pouvez le voir. Et l'autre particularité, c'est que tout de suite, ils ont récupéré dans leur équipe des cracks. Mais alors, vraiment, je veux dire, il y a certains projets comme ça, comme je vous l'avais dit avec Cardano, il y a Algorand, etc. Et quand je vous dis chercheurs, on parle vraiment des personnes qui sont à la pointe de leur discipline. Alors que ce soit en cryptographie, en mathématiques, crypto, enfin tous les domaines qui touchent un peu à la blockchain, là, dès le départ, DFINITY a récupéré en fait le gratin, la crème de la crème, si vous voulez, des chercheurs. Alors, il n'y a pas que des chercheurs aussi, il y a aussi des personnes qui ont travaillé dans les plus grosses boîtes, pour pas citer seulement Google, mais toutes les boîtes informatiques aujourd'hui. Enfin voilà, ils ont réussi à ramener une très belle équipe et ils s'en vantent sur le site, ce qui est une très bonne chose. Pour moi par exemple, pour beaucoup d'investisseurs, c'est une très bonne chose. Donc vous voyez, il y a déjà trois points importants à retenir donc d'ICP, c'est que projet hyper ambitieux, peut-être trop comme toujours, équipe hyper diplômée, hyper compétente en tous les cas en théorie, et d'ailleurs le CEO est très visible. Enfin, je veux dire, il a fait beaucoup de conférences, il a été invité sur les plateaux télé. Bah, vous imaginez bien avec un projet pareil. Et donc, il a beaucoup exposé, on peut le voir. Et lui-même, il a un bon bagage. C'est-à-dire que ça a déjà été un major de promo, mais au-delà de ça, c'est quand même un théoricien de la crypto. Il a travaillé, il a fait partie des premiers groupes de travail sur Ethereum et Bitcoin. Enfin, c'est pas n'importe qui. En plus, il est visible, il parle très bien de son projet, etc. Et donc voilà, ça c'était pour la présentation. Donc vraiment très vulgarisé. Je vous donne les grosses lignes, hein, tout simplement. Si vous voulez en savoir plus, bien évidemment, allez sur le site. Il y a d'autres articles, il y a aussi le mien. Mais il y a aussi des vidéos, etc., qui peuvent mieux vous expliquer. Mais ce qui nous intéresse, pourquoi j'ai pas envie de rentrer dans les détails techniques de ce projet, en tout cas pas dans cette vidéo, parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment ça se fait qu'un projet pareil, qui a tout sur le papier, qui a tout en théorie, un projet qui a réussi à lever des fonds parmi les plus grands, comment ça se fait qu'un projet comme ça, l'un des plus sérieux qu'on ait eu, l'un des plus attendus, ait fait un pareil flop et ait connu une chute, écoutez bien, de plus de 90% quelques jours après son listing. Donc passons au chapitre 2 et voyons pourquoi il y a eu une telle chute qui est quand même scandaleuse. Scandaleuse pourquoi? Alors vous savez, normalement en général quand on liste sur Coinbase, c'est l'un des plus réputés pour ça, et on parle même d'un effet Coinbase. Ça veut dire que souvent quand une entreprise, quand une crypto ou un token arrive à être listé sur Coinbase, le fait que ce soit la plus vieille plateforme, alors je vous le dis en parenthèse, par exemple, quand moi je me suis lancée dans les cryptos il y a quelques années, il y avait quasiment que Coinbase pour l'acheter pour acheter des cryptos avec des cartes bancaires. Et bien, tout simplement pour vous dire que ça a gagné, bah, elle a de la notoriété, elle a une grosse base de clients, et donc quand elle liste un projet sur sa plateforme, quand c'est Coinbase, en général, le prix flambe. Et pour les investisseurs comme vous et moi, alors les institutionnels ou non, c'est vrai qu'on regarde beaucoup, on regarde de près les cryptos qui sont listées sur Coinbase. En général, on se plante pas. Alors là, quand on nous a dit ICP va sortir sur Coinbase, on s'est tous préparés, classiquement, hein, comme on le fait d'habitude. On se prépare, on met une certaine somme et on s'apprête à acheter au plus tôt. En se disant que de toute façon ça va monter. Alors moi bizarrement à cette époque-là j'étais hyper overbookée parce que on est en mai, on est à peu près le 10 mai de cette année, et il y avait beaucoup de cryptos aussi qui sortaient et beaucoup de protocoles. Moi je m'intéressais à Avalanche, etc. Il y avait Solana, etc. Donc je me suis pas précipitée non plus. Mais toujours est-il que j'en ai acheté quelques jours après, donc je l'ai pas eu au pic. Il a été échangé à 750$. Quelques jours après, il chute à 30$, quelque chose comme ça. En tous les cas, la chute, elle a atteint 90% de baisse, 90% de baisse. Faut savoir que c'est inouï. Même Shiba Inu, quand tous les ours sont venus, n'a pas fait ça. Ça s'est jamais vu, et surtout pas avec un projet pareil. Donc vous pensez bien. Donc là, tout le monde commence à s'inquiéter. On se dit il y a un problème. On n'a jamais vu une chute pareille. Alors la chance qu'on a eue, c'est qu'il y a une société qui s'appelle Arkham Intelligence. Donc le CEO, il a fait d'ailleurs une vidéo sur YouTube que je vous invite à voir, et pour un peu parce qu'ils ont fait leur recherche. En fait, c'est la société qui fait ça. Je suis pas du tout sponsorisé par eux, mais franchement j'ai apprécié leur travail d'investigation, et en fait on a besoin de ça. Je me rends compte que oui, c'est vrai que on a tendance un peu à se laisser aller. Vous savez, à chaque fois on rajoute des nouveaux critères, mais là il faut toujours être prudent, même avec les projets les plus solides. Et donc bref, ils ont fait leur enquête, ils ont publié, hein, tout le monde peut y accéder. D'ailleurs bah, quand je fais cette vidéo je me base aussi sur leurs travaux, et ce rapport d'investigation nous montre quoi? Bah, il nous montre qu'il y a des cryptos qui possédaient beaucoup d'ICP tokens, qui sont allés sur les plateformes d'échange, en tous les cas sur Coinbase dès le départ, et qui ont revendu en masse. Donc elles se sont fait en or, pendant que tous les autres, ben, les investisseurs comme moi, ou même des grands investisseurs, se sont plantés sévères. Parce que au bout d'un moment, bah voilà, ça avait atteint les 50$. Ça, c'est une manipulation qui est super connue, vous la connaissez tous, qu'on fait souvent. Donc là, on manipule le marché. C'est pour ça qu'ils appellent ça des adresses suspectes. Ça veut dire c'est simplement, pour le dire vraiment comme ça, cash, c'est simplement des escrocs, c'est-à-dire des mecs qui avaient ça en tête, qui s'étaient dit quand on va lister, on va revendre directement nos tokens. Il faut savoir que normalement, pour empêcher ça, il y a un système qu'on a mis en place, qui est, ça fait 2 ans maintenant, qui est franchement généralisé. Quasiment tous les projets le font. C'est le fameux système de vesting. Vous savez, on l'entend beaucoup maintenant, c'est-à-dire que on interdit en fait aux crypto-détenteurs, aux personnes qui ont investi dès le départ, de revendre pendant 2 ans, pendant 4 ans. Par exemple, Uniswap l'a fait. Enfin, la plupart des projets le font. Et je vous dis, maintenant, c'est rentré dans les mœurs en fait. Là, je vous en parle rapidement, simplement pour mieux comprendre ce qui s'est passé avec ICP Token. C'est comme ça que beaucoup de personnes ont relâché, ont quitté en fait le projet. Et pourtant, c'était les investisseurs de départ. Et bien, ces personnes-là, elles ont eu un un airdrop qui consistait à avoir 25% de la somme totale. Donc 25%, c'est énorme. Mais il s'avère que pendant le listing, elles n'ont pas été capables, elles n'ont pas pu techniquement, c'était hyper complexe, voire impossible, de retirer les tokens qu'elles avaient reçus. C'est-à-dire que là, en fait, au lieu de participer à l'exchange, parce que peut-être qu'elles aussi, elles voulaient vendre la moitié, un quart ou qu'importe, elles ont été limitées, elles pouvaient rien faire parce qu'elles n'avaient pas accès à leurs tokens. Et c'est comme ça qu'on a vu dans les forums plein de personnes se plaindre. Vraiment, vous pouvez les consulter, c'est vraiment alarmant. Et on voit surtout que l'équipe de DFINITY, avec tout l'argent engendré quand même, je vous parle quand même d'une crypto-monnaie qui, même avec la chute des 90%, se situe aujourd'hui où je fais la vidéo, on est à peu près début août, au 17e rang sur CoinMarketCap, 17e rang. Et donc, il y a beaucoup de personnes maintenant qui considèrent que c'est quasiment un scam, alors que ça l'est pas, hein, parce qu'il y a quand même des projets maintenant, voilà, justement, on arrive à la troisième partie, parce que là, je vois que je m'éternise trop. Troisième partie, qu'en est-il finalement, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, vous allez me dire, alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est vrai que le projet est intéressant. Alors vous savez, avant de faire cette vidéo, je suis quand même allée sur le site pour voir ce qui se passe, etc. En effet, l'infrastructure se développe, c'est-à-dire qu'il y a des applications qui sont créées maintenant, pas n'importe lesquelles en plus, donc on voit que le projet prend forme. Et j'ai aussi regardé des vidéos du fondateur qui a vraiment été critiqué et qui lui dit que le rapport Arkham, c'est n'importe quoi, bon, bah, bien évidemment. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, moi, je pense personnellement, déjà, j'ai beaucoup appris parce que c'est pas que ça m'a mis un coup à l'ego, j'en suis pas là, je perds aussi avec d'autres tokens, mais la chose que j'ai appris, c'est que je me suis dit, même les gros projets, même quand il y a tous les critères, sont pas à l'abri, enfin, on n'est jamais à l'abri, en fait. La chose la plus importante, finalement, c'est vrai que c'est souvent les fondateurs derrière et qu'il n'y a pas mieux que les projets complètement décentralisés, c'est-à-dire où il y a le moins possible de contrôle ou d'adresses comme ça qui possèdent vraiment trop de tokens dès qu'un projet est lancé. Alors c'est le but, hein, DFINITY nous dit que ce sera complètement décentralisé par la suite, etc. et qu'ils n'auront pas autant de contrôle. C'est ça, quoi. En fait, c'est ce qu'on attend parce que vraiment, on le voit que quand il y a l'humain, en tout cas, c'est ma conclusion personnelle. Hein. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si c'est un projet que vous avez, sur lequel vous avez investi. Je vends pas encore, j'y crois encore un peu. C'est vrai que techniquement, c'est quelque chose qui peut être génial d'un point de vue entrepreneurial, etc. Même pour les développeurs, c'est top. Ok, maintenant comment ça va être géré? Il faut absolument que ça se décentralise le plus possible parce que voilà, ce que je redécouvre, ce que je savais déjà, c'est que quand vous mettez l'humain, il y a toujours un risque. Ça, c'est fou. Donc voilà, je finis un peu là-dessus. Dites-moi ce que vous allez faire, vous. Moi, je décide de les garder, de pas les vendre tout de suite, tout simplement parce que je crois encore au projet, mine de rien, même si j'ai moins d'enthousiasme forcément. Et puis l'autre chose, c'est que de toute manière, même en étant à perte, de toute façon, j'ai fait tellement d'autres gains avec les autres cryptos que ma perte, elle est vraiment très rédhibitoire, elle est très minime. Voilà, j'espère que vous passez du bon temps avec les vôtres et je vous dis à bientôt. Merci, parce que mine de rien, ça m'a manqué tout ça.